Eh bien bonjour à tous, ici Loïc et Julien, je suis Loïc et aujourd'hui je suis avec Pauline. Comment tu vas? Super bien Pauline aujourd'hui. Ça va super bien, merci Loïc. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, on regarde un peu ce qu'est un agrégateur de flux RSS et en Et particulier donc, celui de Google. effectivement. Et donc là tu viens de donner deux mots complètement techniques qui sont Aïe, aïe, aïe. agrégateurs et RSS dans la même phrase, et ça c'est une belle performance. Donc qu'est-ce qu'un flux RSS? Alors, un flux RSS, c'est en fait un flux d'informations auquel on peut s'abonner Voilà. qui va permettre de suivre les actualités et les mises à jour quasiment automatiquement d'un site ou d'un blog Voilà. qui nous intéresse. Ouais, c'est un flux qui est produit, un flux de données qui est produit automatiquement lorsque des nouveaux articles sont mis en ligne et auquel on va pouvoir s'abonner à l'aide d'un outil qui s'appelle un agrégateur. Transition magnifique. Un agrégateur, c'est un outil qui va vous permettre de centraliser en un endroit unique tous les flux auxquels vous abonnez. Donc plutôt que d'aller tous les jours sur tous les sites que vous voulez consulter, parce que vous avez des sites habituels que vous aimez voir, plutôt que d'aller sur chaque site un par un et de perdre du temps, bah vous allez récupérer tous les flux, toutes les informations dans un même outil qui s'appelle un agrégateur de flux, comme on peut le voir sur l'image, que nous on voit pas mais qui sera faite au montage, ça va être magnifique. En tout cas, il Waouh. faut que tu la retrouves, l'image. Oui, je vais la mettre. Et voilà à quoi sert un agrégateur. Donc des agrégateurs, il y en a plein. Il y a Google Reader qu'on va vous présenter aujourd'hui. Voilà, il y a NetVibes aussi qui est un agrégateur qui permet aussi d'avoir des favoris web. Il y a Wikio qui est un outil plus ancien qui est aussi un agrégateur. Et puis Oui, pour les si. Apple Maniacs. Et pour les gens sous Google aussi maintenant, puisque c'est sorti sous Ah Google, pour tous ceux qui ont un smartphone, une tablette, donc effectivement sous iOS ou sous Android, vous avez la magnifique application Flipboard que vous voyez à l'écran en ce moment, même chose en français en montage, qui est vraiment juste absolument génial. Peut-être un jour on fera un tuto ouais. là-dessus, le jour où j'aurai trouvé comment faire des tutos sur des Sur outils des iPhone outils ou iPad, iPhone. ça doit être D'accord. faisable. Ok, D'ailleurs, donc si voilà. vous avez des idées de logiciels qui permettent de faire ça, dites-le nous dans les commentaires. Je suis à la recherche d'outils comme ça. Voilà. Donc, on y va. On va vous présenter Google Voilà. Reader. Donc, la première chose à faire, c'est de vous créer un compte Google. On ne Voilà. vous présente pas comment on fait. C'est relativement simple. Il suffit de donner un nom, un prénom et de créer une Voilà. adresse Si mail. vous avez une adresse Gmail, etc., Vous c'est avez déjà déjà le un cas. compte. Voilà. Donc là, je suis sur la page de Google et Google Reader se trouve dans l'onglet Plus ici. Et vous avez ici Google Reader. Voilà. Donc qui par défaut bah, vous propose déjà des choses un petit peu comme tous les outils Google, vous propose une petite aide pour comprendre comment ça fonctionne et puis vous propose déjà des petites choses intégrées. Alors, on voit des toilettes, c'est magnifique, je ne sais pas pourquoi on tombe là-dessus. Mais enfin bref, c'est Et comme ça. donc là, on est sur, on va alimenter un peu le Google Reader Ouais. de Loïc et Julien hein, C'est ça. pour démarrer. Donc, une fois que vous êtes sur cet agrégateur, donc effectivement, vous n'êtes abonné à rien. Par contre, on a quelques propositions. On va voir comment bah, on alimente Cet outil, cet outil, ouais. à commencer par bah, des blocs, un bloc Voilà. qu'on connaît déjà et qu'on voudrait suivre. Donc, Donc par exemple, bah, vous avez déjà des sites que vous suivez régulièrement, vous voulez vous y abonner. Donc par exemple, on va prendre Presse Citron, qui est un blog un petit peu connu sur le web. Première manière de faire pour s'abonner, c'est tout simplement de choper le lien du site voilà. et de venir dans Google Reader, de faire s'abonner, de tout simplement le coller ici. Et en faisant ajouter, automatiquement, Google, comme il est très malin, il va trouver qu'il y a un flux RSS sur le site de Presse Citron et il va automatiquement nous y abonner. Vous voyez, dans les abonnements, on a maintenant Presse Citron qui apparaît. Et donc là, c'est l'occasion peut-être de voir en fait concrètement ce que ça donne, c'est-à-dire que Presse Citron, c'est alimenté par des articles en fait. Il y a juste une catégorie et des articles qui défilent. C'est vraiment le principe du blog. Et donc là, on voit dans notre flux qu'on récupère titre par titre Les différents les articles différents de Presse articles. Citron. Entre parenthèses, à côté de Presse Citron, c'est écrit le nombre d'articles non lus. Et Qui donc diminue au voilà, fil du temps, au parce que fur je et suis à en train de mesure. tous les lire. Bon, je les lis pas vraiment, je les lis pas aussi vite, Est-ce que mais tu lis vite? ouais, non. En fait, c'est parce que je passe dessus, il les détecte comme lu. Voilà. Donc Voilà. ça, c'est la première vue, en fait, par défaut de Google Reader, il vous ouvre tous les articles, et donc dès que vous passez dessus, il vous les considère comme lus. Il y a une autre vue ici, où en fait, vous avez juste les titres des articles qui apparaissent. Et là, pour accéder à un article, il suffit de cliquer, et sans Voilà. sortir de l'outil, vous accédez Et à la description. ça vous permet de balayer une première fois tous les Ouais, voilà. titres et ensuite de décider ce que vous allez réellement Regardez. lire. Voilà. Donc ça, c'est la première manière de faire pour ajouter un site. On va vous montrer une seconde manière de faire via... Alors là, on va choisir un autre blog qu'on on va connaît. prendre Subiz, par exemple. Voilà. Donc, même chose, le blog. On pourrait à nouveau copier-coller l'adresse. On vous fait voir une autre manière de faire. Vous trouvez en général dans tous les blogs l'icône du flux RSS qu'on vous a montré au début, qui est ici, là. Et là, ici, il suffit par exemple de copier-coller le flux directement, donc de prendre l'adresse et de venir dans Google Reader et de faire
la même chose, de copier-coller l'adresse cette fois-ci du flux, de faire ajouter, et automatiquement, Fubiz est ajouté. Il même est là. Chose. Voilà une deuxième manière de faire. Alors, une troisième manière, qui est la manière dite rapide, en fait, offerte par Google Reader, c'est d'installer... Alors, attends, il y avait une autre manière entre deux, non ? Oui, si, tout à fait. Donc, c'est donc là, une manière rapide, donc, c'est d'installer un petit widget qui va permettre, qu'on va mettre dans les favoris de son navigateur, et qui va permettre, quand on en surfant sur le web, quand vous passez sur une page qui vous intéresse, de dire « Ah bah tiens, cette page m'intéresse, je voudrais m'abonner aux actualités, aux mises à jour. » Et donc, il vous suffit juste de cliquer sur ce petit bouton. Ouais, donc, alors on va installer déjà le petit outil. Voilà. Donc là, il faut aller dans les paramètres de Google Reader, qui sont ici dans la petite roue rangée, comme dans tous les outils Google maintenant. Et dans Extra, vous allez trouver ici « Abonnez-vous en surfant ». Et donc là, il faut faire apparaître la barre des favoris, merci, de votre navigateur. Alors ici, on est sous Chrome. Donc dans Chrome, on fait afficher, en tout cas sous la version Mac, et afficher la barre de favoris qui s'ajoute ici. Donc moi, j'ai rien dedans. Et en fait, je vais tout simplement prendre l'item qui est là et je vais le glisser dans ma barre de favoris. Et là, automatiquement, j'ai un bouton qui est apparu. Et ce bouton, quand je vais cliquer dessus lorsque je vais être sur un site, par exemple, on va aller sur un site... Qui te ferait plaisir Qu'est-ce qui me ferait plaisir Hein Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Les mises à jour de Loïc et Julien, par exemple. Tu peux t'abonner à la chaîne YouTube de Loïc et Julien par flux RSS. Stylé. Donc voilà, on est ici, c'est ça? Voilà, et simplement en étant ici, tu cliques sur « S'abonner ». Et là, automatiquement... Il va ouvrir automatiquement la page de Google Reader. Et alors, attention. Là, à la différence de ce qu'on a fait tout à l'heure, on n'est pas abonné directement. Ouais. Il nous montre ce que ça donne, en fait, quels sont, par exemple, les derniers articles qui ont été actualisés. Et il faut recliquer sur le bouton « S'abonner » pour vraiment le faire rentrer dans la liste des abonnements. Ici, il apparaît ici maintenant. Voilà. Et là, on aura toutes les mises à jour de Loïc et Julien. Des vidéos. Donc, vous aurez peut-être, si vous êtes déjà abonné, le flux qui apparaîtra lorsqu'on postera cette vidéo. Et ça, c'est quasiment magnifique. C'est quasiment une inception, quoi. Une autre manière de faire aussi, quand vous êtes sur les blogs, pour ajouter un flux, je vais aller sur le site de Corben cette fois-ci par exemple, il est là. Lorsque vous allez toujours cliquer sur l'icône du flux RSS qui est ici, vous tombez parfois sur cette page-là, qui est proposée par FeedBurner, qui est un logiciel qui permet de créer de flux RSS à partir de son blog. Et vous avez possibilité directement ici d'ajouter dans votre lecteur de flux RSS préféré. Donc là, vous voyez, on retrouve NetVibes. On retrouve Wikio. On retrouve Wikio, effectivement. Et donc, on peut directement l'ajouter à Google ici. Donc, cette fois-ci, il nous fait apparaître une page où on peut l'ajouter à la homepage de Google, puisqu'on a aussi la page personnalisée, ou dans Google Reader. Donc là, je vais faire ajouter à Google Reader. Il me demande de me connecter. Pourquoi ? Je ne sais pas, mais c'est pas bien grave. Me connecter, si c'était pas le cas. Et puis cette fois-ci, voilà, j'ai le site Corben qui est installé automatiquement, qui est mis ici. Voilà. Même à peu près que de faire via l'outil s'abonner ici. Ok. Voilà, donc différentes façons de faire grossir son agrégateur, hein, puisque le but, c'est quand même d'avoir en un seul endroit pas mal d'infos qui arrivent pour, en tout cas, tous vos sites préférés et utiles. Ouais. Alors après, il y a toujours d'autres moyens de faire pour s'abonner. Hein. Par exemple, on peut, via directement une recherche, en fait, c'est toujours pareil, oui. Google propose de rechercher un peu dans tous les sens. Donc plutôt que de taper une adresse que vous ne connaissez pas, vous tapez une recherche. Alors là, je vais faire une recherche un peu classique. Je vais chercher Le Monde. Je vais faire ajouter. Et là, il va me proposer tous les flux RSS qu'il a pu trouver en relation avec Le Monde. Donc par exemple, toutes les actualisées à la une, et je vais pouvoir directement m'abonner ici sans sortir de mon outil d'agrégateur. Voilà. Toujours à partir de l'agrégateur, après, il y a la possibilité de faire des recherches un peu par centre d'intérêt, par thème. Donc, en fait, Google vous propose une fonction parcourir. Qui est là. Donc, qui n'est pas toujours visible, hein, d'ailleurs. Oui. Des fois, il faut dérouler tous les éléments. Donc, c'est la petite flèche de gauche. Tac, voilà. Je l'ai. Donc là, quand vous êtes dans parcourir... vous avez plusieurs possibilités. Alors, d'une part, les thèmes Google. Donc, Google vous propose plusieurs... thèmes tout faits, en fait. Thèmes tout faits avec plusieurs flux à l'intérieur auxquels vous pouvez vous abonner. Donc, attention, là, vous vous abonnez à 10 flux d'un coup. Donc, ça peut être beaucoup d'informations en même temps. Hein. Attention aussi à, de temps en temps, pas être noyé complètement sous les informations. Sous les infos. Et si je fais s'abonner ici, il va m'abonner aux 10 sites qui sont là. Donc, je ne vais pas le faire ici, je ne vais pas m'abonner à tous ces sites-là. On a un autre moyen d'accéder à des recommandations. C'est toujours dans l'item parcourir ici. C'est d'aller dans recommandations. Alors là, ici, on n'en a pas.
Tout simplement parce qu'on n'a pas suffisamment d'abonnements. En fait, les recommandations vont se créer à partir des abonnements qu'on aura pu faire. Et au fil du temps, l'outil va analyser un peu nos lectures et les sites auxquels on s'abonne, et il va nous proposer des sites similaires auxquels on va pouvoir s'abonner. Voilà. Donc effectivement, c'est une autre possibilité. Recommandations qu'on va trouver ici, sauf que ici, cette fois-ci, on ne va plus non plus trouver des sites auxquels s'abonner, on va trouver des articles qui peuvent potentiellement nous intéresser. Voilà. Donc ça peut être par contre là des articles auxquels on est déjà abonné et des articles auxquels on n'est pas abonné, on le voit un peu, ici, par exemple, en bas. J'ai des sites auxquels je ne suis pas abonné. Et à nouveau, on a quelque chose qui se répète un petit peu en dessous avec les sources recommandées qui n'existent toujours pas puisque c'est la même chose que dans Parcourir en fait. Et c'est vraiment les recommandations qui vont se créer en fonction des thématiques qui vous intéressent et qui ont été analysées par Google. Ouais, voilà. Vous pouvez, pour les gens qui auraient déjà des favoris, des flux RSS, par exemple, dans leur navigateur, ça se fait, il y a certains navigateurs qui permettent d'avoir déjà des flux RSS, vous pouvez les importer dans Google Reader si les fonctionnalités vous semblent intéressantes. Donc ça, ça se fait au niveau des paramètres, à nouveau, et vous avez importé, exporté, là vous avez possibilité d'importer, d'exporter même vos différents flux dans tous les formats compatibles. Donc si vous avez effectivement déjà... agrégateur, vous pouvez les importer dans Google Reader si ça vous plaît, ou quitter Google Reader si ça vous plaît plus. Voilà. Voilà. Donc voilà comment s'abonner à des sites. Alors ça, c'est l'abonnement à des articles qui sont publiés. Il faut savoir qu'on peut détourner un peu l'utilisation des flux RSS. Alors ça reste toujours du flux RSS et le fait de recevoir de l'info, par exemple, pour s'abonner à des podcasts. Oui. Tout à fait le faire. Alors je fais un peu de bruit avec des objets qui traînent sur la table, mais c'est pas gênant. C'est exprès. Tout ça a été prévu, bien entendu. Et donc effectivement, par exemple, vous voulez vous abonner au podcast de Nova, qui est une radio un petit peu connue maintenant. Vous tapez sur un outil de recherche, par exemple Google Nova Podcast, et puis là vous allez tomber sur tous les podcasts que propose Nova. Et puis j'ai C'est leurs différentes émissions. Voilà, qui sont enregistrées et qui sont disponibles le plus souvent en général sur iTunes ou directement sur le site. Et on retrouve ici le bouton du flux RSS. Donc là ici, il va m'ouvrir un flux RSS. Donc là vous avez des pages qui sont parfois Alors faut pas avoir peur. Incompréhensible, voilà. Faut surtout pas partir en courant, c'est pas grave. Vous faites comme d'habitude, vous copiez le lien. Et vous venez le coller dans Google Reader en faisant s'abonner et vous l'ajoutez. Et là, on est abonné au live de l'éléphant effervescent. On va avoir, en général, les dernières émissions qui sont téléchargeables en podcast et via iTunes. Mais là, vous avez aussi... Ça, c'est une utilisation possible. Une autre utilisation, c'est, au-delà de recevoir des articles, c'est de recevoir, par exemple, vous aimez le cinéma, vous voulez savoir les films qui sortent. Il y a pas mal de sites qui ont détourné l'utilisation des flux RSS, ou bien W, ça ne va pas fonctionner, forcément. Qui ont détourné l'utilisation des flux RSS pour, par exemple, ici, vous proposer les sorties des films. L'orage commence à gronder derrière nous. Va-t-on arriver jusqu'au bout? Je ne sais pas. Alors, on l'a fait tout à l'heure. Donc là, ils étaient tout en... En général, les flux RSS sont en bas. On a la liste de ce que propose le site, parce qu'il arrive souvent pour les gros sites comme Allociné de proposer plusieurs flux RSS. On va le voir. Donc là, on est allé dans la catégorie nos flux RSS. Et on voit effectivement qu'il nous propose déjà aussi plusieurs thématiques. Donc, au lieu de s'abonner au site en entier, parce que c'est des sites qui génèrent beaucoup d'infos, on s'abonne à une catégorie, donc là, en l'occurrence, les sorties de la semaine. Voilà. Et voilà, on aura la fiche de chaque film. Ouais. Alors parfois, c'est typiquement un bon exemple, c'est que certains sites, pour générer du trafic. Pour générer du trafic et de la rémunération avec les pubs. Oui. Parce que là, vous remarquez qu'on n'a pas les pubs du site, forcément, puisqu'on a juste le contenu. Eh bien, en fait, vous propose des flux RSS limités. C'est-à-dire, on a juste le début de l'article, on a le titre en général, et puis quelques premières lignes. Et ensuite, on vous propose de continuer la lecture sur le site, ou en directement en cliquant sur le titre. En cliquant sur le titre, vous allez arriver sur la page, sur la bonne page. Ça vous évite de repasser par l'accueil, mais ça permet au site de générer du trafic, et donc, effectivement, des rémunérations avec la pub qui apparaît. Voilà. Voilà un petit peu comment ce qu'on peut faire. Alimenter son agrégateur. Donc là, après, c'est quelque chose qui va vivre, qui va s'alimenter tout seul et donc sur lequel vous allez pouvoir venir régulièrement. Et puis, vous allez pouvoir organiser un peu cette info. Ça, on le reverra.
faire ça dans un prochain tuto. On va vous faire un autre tuto sur Google Reader, hein, un peu de teasing, dans lequel effectivement on va vous apprendre à organiser un petit peu tout ça pour faciliter un peu la lecture. Parce que plus vous allez vous abonner, plus vous allez avoir d'infos qui arrivent. Là, on voit déjà qu'on a, vous voyez, tous les petits chiffres qui sont à côté des différents sites. C'est tous les articles que je n'ai pas lus encore. Et à côté de tous les éléments, on voit le total là tout en haut. Donc on voit qu'on en a 53 déjà, 53 déjà avec Très peu d'abonnements. Sachant qu'évidemment, ils ne donnent que les 10 premiers articles non lus. Les anciens, forcément, ici n'apparaissent pas. Ah oui. Ici, j'ai 10. Oui. Mais par contre, ça va continuer à s'alimenter. Ah oui, et si on ne les lit pas pendant plusieurs semaines, je suis déjà passé voir, à 12 sur le monde, parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'actualisations. Et donc, effectivement, ça va vite augmenter. Donc, on va vous apprendre dans un prochain tuto à s'organiser un petit peu dans vos différents flux RSS, faire des favoris, etc., etc. Donc, on vous souhaite une agréable journée. On espère que vous n'avez pas d'orage, puisque nous, ça arrive fortement. On vous dit à bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.